J'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. J'espère que professionnellement, au niveau des cours, au niveau de la santé, au niveau de vos proches, tout va bien. Perso, je touche du bois. Ça va. Pas de mieux que de se retrouver pour un haul Shein. Rien, on est d'accord. Donc aujourd'hui, petite commande Shein. Donc je vous ai pas attendu pour l'ouvrir. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. L'impatience était là. Avec le travail et tout, j'ai pas trop eu le temps de la faire directement. Donc je la fais seulement maintenant. J'ai passé commande fin décembre, genre 31, je crois, le jour même du jour de l'an, genre l'avant-veille. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Et je l'ai reçu, ça va faire une semaine maintenant, donc j'ai eu le temps de me faire un avis. Je vais vous montrer mes petites pépites. Il y a du très très bon, il y a du très très mauvais. Je vais avoir des renvois, j'ai eu des oublis, enfin bref. Il y a un peu de tout, donc c'est parti. Alors, pour commencer, ce petit haut. Voilà. Un petit haut, je pense qu'on peut appeler ça un cardigan. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc c'est un petit haut court, donc comme ceci. C'est un petit haut court, donc avec les manches. Moi j'appelle ça des manches bretelles, mais non, des bretelles c'est vraiment un truc fin. Donc je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est des manches courtes, on va dire, pour faciliter la tâche. Matière un peu tricot, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore la couleur. Je l'ai commandé vraiment pour le côté pétillant de la couleur. La qualité, il est assez fin, c'est vrai, comparé à d'autres que j'ai pu commander, mais vraiment ça va. Un petit peu fin, mais de toute façon j'ai tout le temps chaud, donc ça me va. Voilà, donc je vais vous montrer comment il me va porter debout, parce que là... En fait, ma tenue, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'en bas, ce que vous ne voyez pas, c'est vraiment en mode jogo street, en mode je vais dormir. Et le haut, c'est en mode je sors à une sortie, petit cocktail entre amis. Ou alors je vais au carnaval. Ça dépend du point de vue. Voilà. Donc si j'y pense et surtout si je les retrouve, je vais vous mettre les prix ici. Ma petite note pour ce haut, je mettrai un bon 8 sur 10. Comme je vous dis, il est un petit peu fin, mais les couleurs, je sais pas si elles ressortiront aussi vives en caméra, mais elles le sont bien en vrai. Donc vraiment, 8 sur 10, ça me paraît très bien. Ensuite, vous connaissez mon amour un petit peu conflictuel avec les shorts. Je pense que tout le monde l'a compris. Pendant des années, j'en ai pas mis. Et là, je me surprends à en prendre de plus en plus. Peut-être parce que j'aime un petit peu plus mon corps. Ça peut peut-être jouer en effet. Donc ouais, je me suis commandé un t-shirt. Incroyable. Genre, incroyable, incroyable. En sachant que, encore une fois, il coûte moins de 10 euros. La qualité est incroyable. On est sur du vinyle, vinyle mais épais. Genre, je peux pas dire du cuir parce que c'est pas du tout du cuir, mais c'est un genre de vinyle, mais vraiment quali, épais et qui va pas se casser. Genre, qui va pas. Parce que j'ai déjà eu des pantalons vinyle qui se sont un peu cassés, mais bon, c'est un autre débat. C'était un autre site, je vous rassure. Il y avait la ceinture comprise dedans. Voilà, donc tout est nickel. Mis à part une petite faille ici, donc au niveau de la fermeture. Mais ça ne dérange pas parce que vu qu'il est, enfin, il me va parfaitement comme je vais vous le montrer. J'ai pas besoin de la fermeture là, genre je noue la ceinture et ça va très bien. Donc voilà, le reste, la fermeture éclair, tout va très bien. Il y a juste là où ils sont vraiment, genre ils ont mis un bout de fil et ils ont dit bah les couilles quoi. Pas ouf pour ça, mais sinon tout le reste c'est impeccable. La longueur est très bien. Moi j'aime plutôt les shorts qui finissent mi-cuisse. Parce que sinon ça remonte, mais là il est pas mi-cuisse, mais il est pas non plus mini, donc c'est l'entre-deux parfait je trouve. Et voilà, je l'ai déjà porté pour aller au travail parce qu'il faut être habillé tout en noir pour mon plus grand plaisir, mais je l'ai porté et franchement très bien. Il a pas remonté, il était très agréable, donc voilà. 9 sur 10, 9 sur 10 parce que la petite fermeture quand même là c'est pas possible. Genre tu peux pas faire un truc totalement quali et dire bas les couilles sur un détail comme ça, genre je comprends pas. Pour continuer dans les petits cardigans, je me suis commandé celui-ci, clairement... Est-ce que je dois argumenter? Est-ce que je dois argumenter? Vraiment. Donc là je viens de le fermer pour qu'il ait un petit peu plus de forme. Bleu et vert, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. La qualité, non là par contre, c'est incroyable. Je sais pas si vous le verrez bien en caméra, parce que j'ai des éclairages de chez Action, donc on va pas s'attendre à... Voilà. C'est vraiment un tricot, cette fois-ci épais. Autant pour ce petit haut, c'est fin, mais là c'est vraiment épais, il tient chaud, il est vraiment tout doux.
Donc il est vraiment super super agréable à porter, genre vraiment ça va devenir mon gilet cardigan de référence. C'est-à-dire que si j'ai froid, si je sais pas quoi porter, je vais le mettre tout le temps. Et vraiment je suis choquée, je crois que je l'ai payé 7 euros, autour de 7 euros, et il vaut vraiment ceux dans les grands magasins qui coûtent les 30 euros quoi. Je l'aime trop, je l'aime trop. Donc là 10 sur 10, il n'y a même pas de débat. Incroyable. Ensuite, petit haut, cette fois-ci, plus dans les tons sorties, fêtes, etc. J'ai très très peu de haut, un peu classe, entre guillemets, si on peut dire ça. J'ai beaucoup de haut assez extravagants, colorés, etc. Enfin, j'ai pas trop argumenté, parce que je pense que vous voyez à mon regard et à mon bafouillage que je ne suis pas trop adepte de ce style. Bref, en outre, j'ai décidé de m'acheter un petit peu plus de vêtements qui soient dans ce style et qui m'aident à avoir des tenues sophistiquées, mais classe, et pas sophistiquées et colorées, quoi. Bref, franchement, je m'égare, mais... Voici le petit haut. Là, de devant, il paraît très simple. C'est-à-dire que même si au niveau de la forme, on voit que ça part en évasé sur le devant et que ça fait très beau, c'est surtout le derrière. C'est dos nu et avec un lacet. Au niveau des bras, au niveau de la poitrine, il rend très beau. Et souvent avec ce genre de haut, j'en ai déjà acheté sur Shein, que vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos. Souvent, c'est trop petit, ou alors ça moule pas très bien, ou alors ça remonte. Tout ça, et en fait là il est vraiment taillé très très bien, et l'arrière, moi qui suis pas trop trop fan de mon dos, c'est vraiment coupé, enfin on lasse vraiment à un endroit stratégique du dos, là ça a vraiment une jolie coupe, et vraiment il est très beau. Au niveau de la qualité, de la matière, c'est un haut assez classique, un haut assez fin, mais pas transparent, donc ça c'est le plus important. Il peut être très fin, je m'en fous, s'il est pas transparent ça me va, avec un petit col qui remonte légèrement, non, vraiment parfait, 10 sur 10. Ensuite, on en vient à la pièce un petit peu chiante, mais pas pour le moins très très belle quand même. C'est un petit pull à lacets. Voilà, après 2 jours, 7 nuits et 43 heures, j'ai enfin réussi à remettre le pull comme il est naturellement. Donc on est sur un petit pull sweet, fin, avec une petite inscription positive. Bon, c'est pas le genre de message que j'aime porter sur mes pulls, d'habitude ça fait très kitsch. Mais on s'en fout parce que c'est vraiment pour le fait que ce soit un petit pull un peu street. J'aime pas dire ce terme, pour qui je me prends, mais bref, c'est pas grave. Avec le côté vraiment sexy du lacet au milieu, en fait. Suivant l'ouverture que tu veux, tu peux plus ou moins desserrer. La qualité est vraiment bien, c'est vraiment un pull. Pull, c'est pas un sweat, c'est vraiment un pull qui tient chaud, mais sans être trop épais. Donc c'est bien, parce que si on met un truc chaud, épais, et le truc à lacet au milieu, pour moi, je trouve que c'est un trop gros contraste. Par contre, gros gros point négatif, c'est que bah c'est hyper long à remettre à chaque fois. Parce que là, en fait, tu ne peux pas passer ta tête si tu ne desserres pas le lacet. Donc il faut enlever le lacet, mettre le pull, remettre les lacets, et voilà. Par contre, une fois que c'est mis, même si c'est une chaîne, on arrive quand même à la nouer. Du coup, ça ne s'enlève pas au fil de la journée, donc c'est quand même très bien. Je l'aime beaucoup, mais ça n'ira pas plus haut que 8 sur 10, parce que le fait que ce soit aussi chiant à remettre et à défaire, ça enlève quand même des points. Toujours dans les petits hauts à lacets, je me suis pris un petit haut très fin, plutôt ouais pour l'été, peut-être printemps pour les jours où il fait vraiment beau, mais ça reste assez fin. Donc là on est sur de la quali un petit peu moindre quand même. Je sais pas si vous l'entendrez au niveau du tissu, mais c'est moins quali que les autres articles que je vous ai montré précédemment. En fait, c'est un cache-cœur. Un cache-cœur court. Ce que j'aime beaucoup, c'est le détail au niveau des manches. En fait, ça fait un peu un effet flottant que j'aime beaucoup. Et voilà, franchement, au début, j'ai un petit peu galéré à le mettre. Je comprenais pas trop le sens. J'ai dû prendre la photo. Mais c'est parce que j'ai jamais eu de haut cache-cœur comme ça. C'est un haut très simple et très mignon, je trouve. Et encore une fois, j'ai pas trop de haut comme ça dans ma garde-robe. Et j'aimerais vraiment en changer. C'est vrai qu'au niveau du décolleté, ça baille un petit peu. Mais après ça, vous faites un point de couture et ça va, quoi. Donc c'est pas très grave. Les petits motifs marguerite, je trouve ça très mignon. C'est un peu un haut qui me fait penser à une de mes amies, genre je l'aurais vraiment vu plus sur Morgane, si tu passes par là. Mais j'aime beaucoup, donc je copie le style de ma copine. 8 sur 10. Ouais, franchement 8 sur 10, ça paraît bien. Parce que la qualité, encore une fois, n'est pas genre oufissime, mais il est pas transparent, il se porte bien, et voilà. 8 sur 10. On continue avec un petit haut, cette fois-ci, on est encore sur un dos nu. En gros, vous nouez ici
les petits clous autour de votre cou. Vous avez le petit haut, donc en forme de petit papillon. Et vous, en gros, vous passez votre corps là-dedans. Voilà. Le problème, c'est qu'il est trop grand pour moi. J'avais vraiment peur que soit ce soit trop court, genre je lève les bras, on voit tout, soit ce soit trop petit, que ça me serre et tout. Et en fait, là, c'est beaucoup trop grand. Donc, au niveau du cou, ce qui est bien, ce qui est le plus important, je pense, c'est que ça me va très bien. J'avais peur que ça baille, et quand ça baille, ce genre de haut, ça fait pas du tout joli. Ça va, en soi, je peux le porter. C'est vrai qu'au niveau du dos, ça baille un petit peu. Si je m'amuse à le rendre encore plus extensible, là, je pense qu'il sera importable. Mais là, pour le moment, on peut le porter. Je vous montrerai en vidéo comment ça rend, c'est pas non plus dégoûtant quoi, enfin c'est pas dégueulasse, ça se porte. Au niveau de la qualité, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus transparent, c'est pour ça que j'ai caché un petit peu cette zone. Bah, évidemment que c'est un haut que tu vas pas porter avec un soutien-gorge. Non, ma chérie, c'est une faute de goût là pour le coup. Donc tu le portes sans rien, et c'est vrai que si tu le portes et qu'il y a un petit vent frais, comment te dire que. Voilà quoi. Là, on me retrouve plus. Là, on est plus dans mon style de base, quoi. Donc voilà. Du coup, je mettrai un petit 7 sur 10. Parce que du coup, la taille est un petit peu grande, mais j'ai vraiment la flemme de le renvoyer. En sachant que je vais déjà renvoyer d'autres produits. Et que, bah, en vrai, ça se porte. Et que si je fais un point de couture, ça va, quoi. Ensuite, on continue sur sûrement mon deuxième coup de cœur. Vraiment mon coup de cœur de la commande. C'est encore un petit haut en tricot. Voilà, j'aime trop. Là, on retrouve en fait le style manche courte, mais on est sur un haut beaucoup plus long. Le mien est plus court, c'est vraiment un petit haut court. Là, c'est un haut plutôt long. La qualité est semblable au cardigan bleu et vert que je vous ai montré. Là, on n'est plus sur quelque chose de fin. Il est très doux, très agréable, il tient bien chaud. Puis le motif est assez mignon, je trouve. Ça fait très cartoon, si je peux me permettre. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais bon. C'est ce à quoi ça me fait penser, donc vous n'allez pas me juger là-dessus. J'aime beaucoup, je l'ai porté. Déjà, j'ai pas su attendre. Et il est très mignon, vraiment. J'aime beaucoup, 10 sur 10. Il n'y a rien à redire, la qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Non, il est très bien. On continue avec un gros, gros, gros flop. Comment vous dire que j'ai commandé ce petit pantalon? Donc, on est sur un pantalon vraiment très coloré, hein. Mais ce qui ne va pas, c'est que c'est un slim en fait. Non! Non! En 2021, tu ne vends plus de slim. Enfin, il y a des gens qui en portent et. Tout à votre honneur. Mais moi, non! Ce n'est pas possible! Comme vous le verrez dans la vidéo, il y a ça d'espace qui ne va pas en fait. Je peux l'attacher, mais je ne peux pas me baisser parce que bah, ça ne monte pas en fait. Et je pense que c'est parce que c'est un slim et qu'il est très mal taillé. Voilà, c'est dommage parce que j'aimais bien le côté coloré et tout ça. J'aurais pu le porter avec pas mal de petites choses. Mais bon, bah. Voilà, ça va être renvoyé. Et même au niveau de la qualité, c'est vraiment un jean fin. Donc, je suis vraiment pas fan. Là, je mets vraiment un 3 parce que c'est dommage. J'aime bien les couleurs, mais le reste, il n'y a rien qui va. Je suis sur un petit pantalon qui fait partie de mes dilemmes. C'est-à-dire que j'ai fait ma commande avec ma meilleure pote. Quand on l'a vu, on a dit I get it. Ok? Mais le truc, c'est que j'arrive pas à savoir s'il me va bien ou pas. Donc, pour vous montrer un petit peu, on est sur un pantalon double matière, bimatière, je sais pas comment on appelle ça. Et il est tout rose, tout rose, tout rose. Donc voilà, j'adore. Au milieu. Le côté côtelé et ici le côté pantalon un peu matière pantalon de travail. Déjà le côté pantalon de travail, je suis pas fan. Genre la texture, c'est pas oufissime quoi. Mais ça, c'est pas grave. En fait, au niveau des cuisses, comme vous le verrez, je trouve qu'il me va bien. Mais au niveau des hanches, ça fait vraiment bulldozer, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je pense que voilà, j'arrive à l'attacher totalement. Je pense que je peux totalement marcher avec et tout ça. Mais le truc, c'est que c'est encore ce système de fermeture comme sur le short qui, à mon avis, est très très mal cousu. Je pense que vous pouvez voir qu'il y a déjà des fils qui partent. Et je trouve ça tellement dommage parce que le reste est bien, quoi. Il n'y a aucun fil qui dépasse, c'est bien cousu, c'est de bonne qualité sur le reste, enfin plutôt bonne qualité. Ce système de fermeture est vraiment trop mal pensé. Il faut changer ça, c'est pas possible. Mettez des boutons comme tout le monde, mais ouais, c'est dommage. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que je vais le renvoyer quand même parce que j'aime pas trop. Je pourrais peut-être prendre une taille plus haute, mais encore une fois, j'ai peur que ça fasse trop ventre qui baille en fait. Et j'ai plein de pantalons déjà qui sont comme ça et je veux plus de ça. En fait, le problème c'est que depuis cet été, enfin le problème.
On va pas cracher dessus quand même, je touche du bois quand je vais dire ça, mais depuis cet été, j'ai perdu 15 kilos, ce qui veut dire que tu perds forcément des tours de taille et tu perds forcément des tailles. Donc les pantalons que j'ai, je les aime d'amour, mais ils sont 10 fois trop grands. C'est vrai que l'effet un peu baggy et tout ça, c'est beau, mais quand c'est trop, c'est dégueulasse. Donc fallait que je me retrouve des pantalons. Et là, pour le coup, on est pas mal. Ça dépend vraiment de la qualité en fait du pantalon, parce qu'il y a des pantalons que je vais vous montrer qui sont... sont incroyables et qui se fondent parfaitement. Et il y en a d'autres comme ça qui ont des bugs et c'est chiant. On arrive à The Pépite. The Pépite. Il y a plein de modes que j'aime pas, majoritairement toutes en fait, mais il y en a quelques-unes comme celle du marron qui est vraiment genre incroyable et je comprends totalement que beaucoup de gens aiment parce que c'est vraiment une pépite. Et là, pour le coup, j'ai acheté ce pantalon, les amis. Il est incroyable. Et on est sur un pantalon en simili-cuir, tout simplement incroyable. Vous avez les poches à l'avant qui sont des vraies poches, je tiens à le préciser, avec les anneaux. Là, on est enfin sur une fermeture quali. Il y a juste un système de fermeture, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de lanière pour passer les ceintures, etc. Alors quand je l'ai commandé, j'avais vraiment peur de ça parce que il faut sachez que je n'ai aucun pantalon sans lanière parce que je mets des ceintures à tous mes pantalons. Encore une fois, parce que ça baille au niveau de la taille. Là, je me suis dit, c'est quitte ou double. Soit c'est parfait, soit c'est dégueulasse. Et au niveau de l'arrière du pantalon, on est sur des poches, encore une fois. Et genre, je sais pas si vous les verrez bien, parce qu'elles se fondent un petit peu. Mais non, vraiment, il est incroyable. C'est un pantalon droit. Il y a des petits détails au niveau de de la mi-jambe, vraiment j'aime trop, il est incroyable. Là c'est vraiment 10 sur 10, il n'y a aucun débat. J'ai rien à redire. Même le fait que ça baille un tout petit peu à l'arrière, ça me choque pas du tout, donc 10 sur 10. Et on arrive déjà à la dernière pièce de ce petit haul. Donc on est sur un pantalon encore. Et là on est encore sur du simili-cuir et c'est un pantalon rouge, les amis. Et oui. Mais avec cette fois-ci des lanières. Pour le coup, j'en ai pas forcément besoin. Pour ce pantalon, vous verrez, il me va bien, vraiment. Mais j'aime toujours avoir quand même une petite ceinture. Donc là, on est sur un pantalon pareil, encore une fois qui est droit. Et un système de boutons à pression qui est très pratique parce que il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Vous mettez, vous pressez et ça rentre. C'est nickel. Il est taille haute. Tout ce que j'aime. Il n'est pas d'une très grosse épaisseur, mais il est quali. Il n'est pas tout fin. C'est vraiment l'entre-deux. Donc pareil, j'aime beaucoup. Là, je mettrais 9 sur 10 parce qu'il n'est pas aussi bien que le marron, mais il est quand même très très bien. Voilà, dans l'ensemble, je vous ai présenté tous les articles. Faudra que j'envoie mes petits produits où j'ai des doutes, donc c'est-à-dire le pantalon coloré et le pantalon rose. Je sais que je vais pas les garder, je vais pas les mettre, donc ça vaut pas le coup qu'ils périssent dans mon armoire. J'espère que ce petit haul vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, vous laissez un like, vous commentez pour me dire pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez pas aimé, ce que vous en pensez, etc. Et si vous pouvez partager, ce serait gentil aussi. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt!